Réel plaisir de vous retrouver ce soir dans le cadre de cette édition sur IFAM Télévision. Madame, messieurs, bonsoir. Toutes les mesures doivent être prises pour juguler la vague des messages de haine qui s'observent à travers la République démocratique du Congo. C'est l'appel de Bintou Keïta aux autorités du pays. La chef de la MONUSCO l'a fait savoir hier en marge de la clôture de la journée mondiale de lutte contre les discours de haine. Suivez l'extrait de Bintou Keïta sélectionné pour vous par Joël Bisseba. Aujourd'hui, 18 juin, marque la première journée internationale de lutte contre les discours de haine. À cette occasion, je souhaite réitérer ma profonde préoccupation face à la montée d'appels à la violence et à la haine en République démocratique du Congo, en particulier à l'est du pays. Les discours de haine entraînent la violence et nous divisent. Là où, au contraire, nous devons renforcer la cohésion et le vivre ensemble. C'est ce dont ont besoin les Congolaises et les Congolais. C'est ce dont ont besoin toutes les populations de la région des Grands Lacs. J'en appelle à toutes et à tous. Tournons le dos au racisme et à la xénophobie. Ne cédons pas aux discours incendiaires qui n'ont que trop nourrit la violence en République démocratique du Congo et chez nos voisins. Travaillons ensemble à la paix. Comme l'a souligné le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, les discours de haine sont un danger pour tous et c'est notre devoir à tous de les combattre. Et à l'issue du troisième conclave des chefs d'État de la Communauté d'Afrique de l'Est, tenu hier lundi à Nairobi, la présidence de la République a fait savoir à travers un communiqué que Félix Tshisekedi n'a signé aucun accord avec Paul Kagame. Les détails de ce communiqué, c'est avec Esther Siamouni. Contrairement à ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux, des photos publiées montrent le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame en train de signer un livre de la présidence kényane au palais présidentiel State House. La présidence de la RDC a démenti l'information divulguée par des personnes qu'elle traite de mal intentionnées dont, je cite, « leur seul but serait de tromper l'opinion nationale et internationale afin de zapper les avancées diplomatiques et patriotiques du chef de l'État dans l'instauration d'une paix et d'une sécurité durable à l'est de la RDC. » Fin des citations. À en croire la présidence, il s'agit des photos prises à la signature du livre d'or au palais présidentiel, un exercice symbolique auquel tous les chefs d'État se sont livrés à tour de rôle pour témoigner leur gratitude au président Kenya ou Kenyatta. La présidence rappelle par ailleurs que, lors du Conseil supérieur des défenses tenu le 15 juin 2022 à la cité de Luya sur la situation sécuritaire dans l'est du pays, la RDC avait pris la décision de suspendre tout le protocole d'accord, les accords et les conventions conclues avec le Rwanda. Et puis, question d'opération des négoces entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Le gouvernement provincial du Nord Kivu a interdit toute opération d'importation et exportation de marchandises par les opérateurs économiques et commerçants au port frontalier de Bunagana. C'est ce que nous dit Monica Makaba dans ce reportage. Cette décision d'interdire formellement les activités liées à l'import-export par les opérateurs économiques au poste de Bunagana a été prise par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Constant Dima. L'autorité militaire a estimé que ces opérations favorisent la fraude et la collaboration avec les rebelles du M23. Toujours dans ce communiqué rendu public, Constant Dima a souligné que ce soit entrerait par ce poste frontalier sera considéré comme fraudeur, collaborateur du M23 et subira la rigueur de la loi. L'autorité militaire provinciale a instruit aux services congolais œuvrant à la frontière de prendre contact avec les homologues ougandais de mettre en place toutes les dispositions relatives à l'application de cette mesure. Les effets de cette mesure prendront fin dès la reprise de Bunagana par les FARDC qui se préparent pour restaurer l'intégrité du territoire et l'autorité de l'État dans cette partie du territoire de Rutshuru, précise le communiqué.
La police nationale congolaise met en garde les Kinois qui se mettent à la recherche de leurs compatriotes qui présentent des morphologies rwandaises. Le général Silvano Kasongo provient de poursuites au récalcitrant Rite Dinanzeï. Cette mise en garde sévère faite par le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, s'adresse à tout Kinois qui oserait stigmatiser les paisibles citoyens à cause de leur morphologie. Le numéro 1 de la police attire l'attention de toute personne que la police est là pour remplir sa mission en toute responsabilité. Gare au récalcitrant, Martel, le patron de la police pour la ville de Kinshasa. Donc, que nous avons dit 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 que la police avons dit que nous avons dit partout de façon que ceux qui nous ont posé acte à nous avons dit que nous. Le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa a également rappelé qu'il est strictement interdit de porter des tenues ou des insignes qui ressemblent à la tenue militaire des FARDC ou encore de la police nationale congolaise sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. Et puis enfin, Dieudonné Kamuleta Badibanga est élu président par ses pairs de la Cour constitutionnelle conformément à l'article 158 alinéa 5 de la Constitution. Le nouveau président de la Haute Cour dirigera cette juridiction pendant un mandat de 3 ans renouvelable une seule fois. Le président Dieudonné Kamuleta remplace le juge Dieudonné Kalumba Dibois et deviendra d'office président du Conseil supérieur de la magistrature. Nous y reviendrons dans notre édition de demain. Et puis au Congo central, Guy Bandou a pris officiellement les bâtons des commandes de cette province. Et puis la vice-gouverneure Grace Kwanga Bidolo qui va aussi l'accompagner dans ces processus lors de la prise officielle de son poste du gouverneur de cette province. Guy Bandou promet de refaire de cette province une puissance économique au sein de la République démocratique du Congo. Nous y reviendrons dans notre édition de demain. Et puis c'est la fête de la musique ce mardi 21 juin sur le plan mondial, une occasion pour les musiciens du monde entier de se réunir et célébrer cet art magique. Mais curieusement, en République démocratique du Congo, le gouvernement ne semble pas s'impliquer dans le développement du secteur musical en particulier et culturel en général, déplore Jean-Romain Maluengo, chef de section musique à l'Institut national des arts. Il a dit au micro de Patrick Nguo et Absalom. Notre gouvernement n'accorde pas une grande importance à tout ce qui est culture. L'importance du musicien, c'est quand il est mort et à ce moment-là, le gouvernement se mobilise. Mais le gouvernement ne fait aucun effort pour doter le pays, notre RDC, des structures musicales, des structures artistiques viables qui conduiraient même notre... qui feraient de la musique comme un centre de développement économique. Vous savez, il y a combien de musiciens dans notre pays? Il y a combien d'orchestres? Il y a combien d'artistes musiciens? Mais quelles sont les structures musicales qui appartiennent à l'État congolais? Il y a combien de studios d'enregistrement qui appartiennent à l'État congolais? Il y a combien d'espaces de création? Par espace de création, je parle des salles de spectacle, à l'instar de celles que nous connaissons sous d'autres cieux et Olympia. Quelles sont les salles de spectacle? Qu'est-ce que l'État fait pour promouvoir la musique dans notre pays? Et je rappelle que juste après ces journaux, les dossiers de la rédaction se penchent sur la fête de la musique, dossier réalisé à l'Institut national des arts par Patrick Nguo et Absalom Koubelana, à suivre après ces journaux. Et en sport, fin du feuilleton, Zao Matutala opposant l'ASV Club à Don Bosco. Après la décision du TAS, la Linafoot a déclaré officiellement le club vert et noir vainqueur de la 26e édition du championnat national exercice 2020-2022. C'était à l'issue d'une réunion organisée entre le staff de deux clubs et les dirigeants de la Ligue 1 et de la FECOFA. Lionel Ngolo nous en dit plus.
Au cours de la réunion des communications tenue ce lundi 20 juin au siège de la Fédération Congolaise de Football Association par le parti intéressé à savoir l'ASV Club de Kinshasa, le Cercle Sportif Don Bosco, le TP Mazembe, la FIECOFA et la Ligue Nationale de Football, cette dernière a appliqué la sentence du tribunal arbitral du sport sur instruction de sa décision. Ainsi, le club a été sacré champion de la 26e édition du championnat national de football Division IN. Cette décision clôt le dossier Zaouma Toutala qui opposait l'ASV Club de Kinshasa au Cercle Sportif Don Bosco de Lubumbashi. Au sorti de cette réunion, le président de la Ligue Nationale de Football, Bosco Mwehu, j'ai cité, a indiqué que la FIECOFA les a appelés pour appliquer la décision motivée du TAS. Ce qui veut dire qu'elle a relayé et l'a instruit de l'appliquer, de respecter cette décision et de sacrer V-Club comme équipe champion de la 26e édition de la Vodacom Ligue 1 saison sportive 2020-2021. Les TAS avaient tranché les litiges qui opposaient les V-Club à Don Bosco au sujet du joueur Matutala à l'issue de l'audience qui a eu lieu vendredi 8 octobre à Lausanne en Suisse. Le club quinois devra ainsi récupérer ses 9 points retranchés de ce fait et sacré champion de l'édition 2020-2021 de la Ligue Nationale de Football. Mais le club de Lubumbashi était allé en appel avant que l'État se prononce la seconde décision. Fin de cette édition sur FM Télévision, madame, messieurs. Merci de nous avoir suivis, mais ne nous quittez pas. Juste après cette édition, vous aurez droit à notre rubrique La Découverte qui s'en suivra, bien sûr, du dossier de la rédaction avec Patrick Ngouo en rapport avec la Journée mondiale de la musique. Portez-vous bien en compagnie de FM Télévision.